député de Courtney Alberney. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue de son discours. Je remercie mon collègue et ami de son discours. Déby Davio, qui préside l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada, a écrit la lettre suivante au ministre des Finances. Elle dit: le gouvernement devrait trouver des façons d'inciter tous les employeurs à offrir des régimes de soins de santé financés par l'employeur afin d'améliorer les soins de santé de tous les Canadiens, ce qui entraînerait des économies pour les gouvernements. Et nous encourageons le gouvernement à trouver d'autres façons de rehausser les recettes, notamment en investissant dans les ressources humaines au régime, à l'Agence du revenu du Canada et éliminer d'autres allègements fiscaux qui profitent aux plus riches. On pourrait aussi réduire l'affermage des services publics. Le député comprend-il qu'en mettant en place une réduction d'impôts qui devait profiter à la classe moyenne, il a agi de façon beaucoup plus régressive qu'en s'attaquant au régime de soins de santé? Le député de Hall-Elmer.